Binotto a une offre d'Audi pour diriger son équipe de F1. Bah, pourquoi? Pourquoi vous voulez le prendre? Sérieux, c'est pas une bonne idée. Prenez un Allemand ou pire. Enfin, on s'en fout de la nationalité, mais qu'est-ce qu'il a apporté à Ferrari, Binotto, en fait? Le mec s'est fait virer. Et Audi veut le prendre, mais ça n'a aucun sens. Voilà. Alors après, c'est un journaliste italien, hein, Léo Turini, donc est-ce que ça vaut beaucoup de... Est-ce que c'est une source fiable? Je sais pas, hein. Je suis sûr que Binotto sera en Formule 1 après la période de jardinage. Donc jardinage, effectivement, il doit attendre un an, il va faire son jardin pendant un an, puis après il pourra revenir en F1. C'est un peu ça l'idée. Je suis absolument sûr qu'il a reçu une proposition d'Audi pour diriger l'équipe et qu'il sera sur la grille dans un avenir proche. Il convient de rappeler qu'Audi arrivera en F1 en 2026 via Sauber. Et Binotto, après la période de, on va dire, probatoire, obligatoire, on parle de 6 à 12 mois, il serait totalement libre de diriger la marque aux 4 anneaux. Enfin, pour moi, c'est pas crédible. Pour moi, c'est clairement pas crédible. Pourquoi? Parce que Binotto, il a rien fait d'exceptionnel chez Ferrari. Je suis désolé, s'il s'est fait virer, c'est pas pour rien. Et Audi le prendrait? Franchement, ça serait un mauvais choix d'Audi, hein. Désolé, hein. À la limite, qu'il le prenne pour, en tant qu'ingénieur motoriste, pour être consultant moteur ou un truc comme ça. Pourquoi pas? Parce qu'il a l'air compétent dans ce domaine-là. Mais pour gérer l'équipe, non, en fait. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Rumeur crédible ou pas? Ciao.